Bonjour à tous et à toutes, c'est Vanessa et Sia d'Une Vie de Chien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau jeu d'enrichissement qui va vous prendre environ 2 minutes de préparation. Comme je dis souvent à mes élèves, on n'est pas forcément obligé de dépenser des sous pour acheter des enrichissements à nos chiens. On peut très bien trouver 2-3 objets au fin fond de notre garage et lui procurer un superbe jeu d'occupation. Donc là, il me reste des déchets que le boucher nous a offerts pour Sia. J'ai également quelques gobelets et une caisse. Voilà. Donc, comment je vais faire mon enrichissement? Je vais mettre des bouts de viande dans la caisse et par-dessus, je vais mettre les gobelets. Et Sia devra soulever les gobelets pour récupérer la viande. Connaissant la patience légendaire de Sia, elle peut très bien aussi envoyer valser la boîte pour récupérer la viande plus rapidement. Mais bon, c'est pas grave, les deux solutions sont possibles. Le but, c'est qu'elle réfléchisse et puis que son quotidien soit enrichi. Voilà, alors du coup, on va faire la préparation ensemble. Donc là, je mets les bouts de viande, hop, avec les gobelets aussi par-dessus. Hop, hop, voilà. Là, je vous montrerai le résultat final dès que j'ai fini de préparer. Hop. Voilà. Ensuite, je demanderai à Sia de s'asseoir. Je poserai le jeu et je lui donnerai le top pour qu'elle accède au jeu. Bon, normalement, ça va aller très vite. La connaissant. Hop. Et un dernier. Et c'est parti. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là, il y a les gobelets et la viande. Et juste en dessous. Hop. Allez, on va proposer à Sia cet enrichissement. Bébinous, assis-toi. Ouais, attends. Bébinous, ok. Allez, maintenant, on la laisse faire. On va voir comment elle va réussir à récupérer la viande qui est dessous. Hop, et de 1. Bravo, Fifi. Donc, elle prend la technique de pousser. Bravo, Fifi. Donc, vous avez vu, ça, vraiment, il a fallu 2 minutes de préparation. C'est bien, Fifi. Donc, ça, c'est un jeu qui peut vraiment aider aussi les chiens de nature sensible. Bon, ben voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et celles de votre chien. N'hésitez pas non plus à aimer notre page Facebook Une Vie de Chien. Mais surtout, passez un agréable moment avec votre chien. À bientôt. Bye bye.